Approchez-vous un petit peu, je vais vous expliquer comment on va fonctionner. Donc moi, je vais faire une première partie vraiment centrée du grand débutant, on va dire quasiment jusqu'au test, de l'attestation sur un agent en sécurité. On part du principe que ce que je vais vous proposer à vous, avec des petits, sixième, voire plus petits, hein, vous divisez quasiment par 4 la distance ou le temps, etc., etc. En d'autres termes, si moi je vous fais faire une situation sur 25 mètres, avec des gamins, on va être peut-être sur 5 mètres, 6 mètres, en tout cas c'est un. Alors, pour une raison très simple, hein, ce que je veux pas, et c'est une vraie problématique, hein, c'est que vous ayez froid. Quelques règles avant de rentrer dans le bassin. Le bassin, 1,40 m de profondeur. Comme avec mes élèves, le premier qui saute, il va pas au vestiaire, mais il va se faire allumer. 1,40 m, quand on n'a pas l'habitude, si vous plongez, vous pouvez ne pas remonter. Hein. Je ne plaisante pas. Voilà, donc faut être vigilant. 1,40 m constant. D'accord ? Deuxième point important, vous avez deux échelles, mais elles ne sont que d'un côté. D'accord ? Donc ça veut dire qu'ici, si jamais on doit s'accrocher, c'est le bord. Il n'y a pas de goulotte. D'accord ? C'est pas une plage australienne. Donc il faut au moins sortir un peu les mains de l'eau. Voilà. Ce qui pour vous pose pas de problème, avec des gamins débutants, ça peut être plus compliqué. Parce que là, en fait, quand on voit le bassin tel qu'il est structuré, bah, les points d'accrochage, là, à part le bord, il n'y en a pas. Mais c'est le bord qui est au-dessus. Hein. Voilà. Donc tout ça, ça peut, ça peut impacter. Hein. Et les gamins, quand ils voient le bassin, s'ils ne savent pas nager, ils peuvent être un peu effrayés, surpris, etc. Hein. Il y a une vraie représentation collective quand même très forte de je vais dans le petit bain. Et quand je suis un champion du monde du petit bain, je bascule dans le grand bain. Moi, par expérience, j'ai des tout petits là en ce moment, 5-7 ans, en école de natation. Et j'ai un grand-père qui est venu me voir en me disant « Mais vous allez le mettre dans le grand bain, ma petite fille, elle n'a pas de brassard, elle n'a pas de ceinture, mais c'est super dangereux. » quoi. Donc voilà, donc il y a quand même un vrai impact, même si ça évolue, des représentations liées à la dangerosité du milieu et au fait que pour le quidam, il faut passer d'abord dans le petit bain. Et une fois que dans tout le petit bain, c'est acquis, bah ouais, ça y est, on va dans le grand bain. Avec certaines représentations de parents, et j'insiste, où leurs enfants savent nager dans le petit bain, au bord de l'eau et sous l'eau, tout le temps. Voilà. Donc compliqué, hein. La définition du savoir nager chez les enfants et notamment chez les parents, elle est forcément, et ce qui est tout à fait normal, très différente de ce que nous, on attend d'un point de vue sécuritaire, etc. Quand j'arrive là, c'est ce que j'ai fait avec le collègue qui gère le bassin, là. Tour du propriétaire, le poste, le matériel de sécu, le défibrillateur, enfin tout, quoi. Même si vous n'êtes pas habilité à l'utiliser, entre guillemets, il faut savoir où c'est, quoi. Avant de démarrer, une obligation, la douche. Donc, à la douche, ouais, je suis désolé, mais voilà, ça fait partie des règles d'hygiène incontournables. Donc, douche, ensuite, vous ne courez pas et vous ne jetez pas d'un coup dans le bain, hein. Vous pouvez y aller tranquillement et je vous explique comment on fonctionne. Allez, c'est parti. Vous nagez pendant 4 minutes à peu près pour vous chauffer un peu et puis on va démarrer. On va travailler le long du mur, normalement sur des distances de 5 mètres à peu près, sauf que vous, pour ne pas avoir froid, vous allez faire la distance complète et vous ferez systématiquement un retour comme vous voulez dans la ligne d'eau du milieu, enfin dans vos lignes d'eau respectives du milieu. On travaille sur des situations qui sont des situations de débutants. Après vous revenez comme vous voulez. Je ne vais pas vous faire sortir, marcher, etc. Parce que sinon vous allez être gelé. Moi je pense qu'avec des petits, il faut qu'ils aient des lunettes. Voilà. Il y en a qui vont arriver à ouvrir les yeux, mais il y en a très peu. Donc au départ, s'ils ont des lunettes, ils vont pouvoir prendre des infos. S'ils ont les yeux fermés, c'est un enfer. Ils ne savent pas où ils vont, ils n'y arrivent pas. Première situation très simple pour tout le monde, vous partez les uns derrière les autres. Attention, il y a beaucoup de courant là-bas. Vous êtes accroché au mur. Déplacement. Alors, normalement, on est plutôt en moyenne profondeur, voire grande profondeur. Là, l'idée, c'est de se déplacer accroché au mur sans prendre d'appui pédestre. D'accord ? Plus vous allez accélérer, plus vous allez, entre guillemets, vous mettre à l'oblique, voire quasiment à l'horizontale. On démarre ici, vous démarrez tous les dès qu'il y a un peu de place devant, jusqu'au bout et on revient en nageant. Même chose ici et vous revenez. Ça marche ? J'ai pas donné de consigne sur le visage pour l'instant. Hein. Allez, on y va. Allez, retour libre.
fait un deuxième passage. Vous mettez la tête dans l'eau si vous le souhaitez. Comme vous voulez, c'est parti. Deuxième passage, tête dans l'eau. Là, l'idée, c'est qu'on va coupler le déplacement. Et ce qui est intéressant, c'est que le déplacement, il s'organise uniquement par les mains. Et on va le coupler avec la capacité ou pas que vont avoir les gamins à mettre la tête dans l'eau, à accepter de mettre la tête dans l'eau. Donc pour ça, il faut ouvrir les yeux, évidemment. Deuxième condition importante, accepter de s'immerger avec de l'air dans les poumons. Maîtrise de l'apnée inspiratoire. Apnée inspiratoire, c'est je me remplis et je bloque. Donc là, on le fait sur place, facile. Au moment où je tape, vous prenez de l'air et vous ne faites rien d'autre. Je veux voir aucune bulle. Dès que je retape, on remonte. L'apnée, c'est pas naturel. Hein. Un gamin, quand vous lui dites faut prendre de l'air et bloquer, hop, il fait ça. Hein. Prêt ? Je prends de l'air, hop, sous l'eau. Ok, pour vous, aucun souci. On fait la même situation que précédemment. Je me déplace le long du mur accroché. Je prends de l'air. Alors j'ai mis des frites, mais vous n'allez pas bien les voir. L'idéal, ça serait de mettre des repères au fond. Avec un gamin, on va mettre un repère à 5 mètres. Il fait 5 mètres, tête dans l'eau, en apnée. Il sort, il fait ce qu'il veut, il se déplace sur 5 mètres. Hop, il recommence. Donc en fait, on va essayer de gagner en distance, etc. Premier objectif, faire au moins 10 mètres en apnée. Après, vous vous déplacez, on repart. Et après, on va augmenter. Hein. Et hop, c'est parti. Toujours la même modalité, accroché au mur, en apnée, tête dans l'eau. Hop! Son corps, distance la plus grande possible, en apnée. On le fait une dernière fois, 25 mètres en apnée. À vous débrouiller, vous prenez de l'air, vous avez le droit d'utiliser le mur, trouvez la solution pour être entre guillemets, en capacité de faire 25 mètres en apnée sans être complètement à l'oblique. Donc si vous voulez y arriver, il faut être plus horizontal. Donc comment je fais pour être plus horizontal? Sans se lâcher du mur. Hein. On est bien d'accord. Quand je dis sans se lâcher du mur, c'est-à-dire que je n'ai pas le droit de lâcher le mur avec les deux mains. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez. Trouvez la solution. Comment je fais pour commencer à être plus hydrodynamique, pour gagner en distance, être plus économique et faire 25 mètres? T'es prêt? On va voir si tu y arrives. Il n'y arrivera pas. Enfin, il y arrivera parce qu'il a la caisse, mais il n'y arrivera pas d'un point de vue hydrodynamique. C'est quoi la solution? Ouais, bien sûr, il faut rentrer la tête, mais encore. On n'utilise qu'un bras. Ouais, mais il lâche le mur, Laurent. Mais là, il a la main au-dessus du mur, on va dire. On va dire qu'il a la main au-dessus du mur. Allez, c'est parti, on y va. Essayez de parcourir la plus grande distance, toujours en apnée, mais en n'utilisant que 5 fois le fait de tirer sur le bras. Vous avez le droit à 5 tractions. D'accord? Et là, vous essayez d'aller le plus loin possible à chaque fois. Ok? Non, non, tu lâches pas le mur. La main, elle est autour du mur. Tu vas la lâcher à un moment. Ouais. En fait, l'idéal, c'est d'avoir une plage à ras. Et donc, la main, elle va passer près du mur en permanence. Mais il y a un moment où tu vas le lâcher. De toute façon, les gamins, là, ils vont pas se mettre en difficulté parce qu'ils ont de l'air dans les poumons. S'ils ont la tête dans l'eau, ils vont naturellement, avec la vitesse, se mettre à l'horizontale. Même chose, plus grande distance, avec l'utilisation de 5 passages de bras maximum. 5 grands pas avec le bras ici. Ce qu'il faut, les gamins, c'est qu'ils aient un repère. Ça commence où, ça finit où? Donc, si tu mets, moi, ce que je mets, c'est que j'ai des échelles mobiles. Donc, j'ai une échelle qui est mobile à 5 mètres. Je dis aux gamins, ben voilà, on travaille entre le bord et les 5 mètres. Tu fais, bah les gamins ils vont peut-être faire 6, 7 pas de géant, etc. Ça va dépendre des gamins. Tu as les gamins qui vont mettre la tête un tout petit peu dans l'eau, tu en as qui vont la rentrer. Il y a tous les cas de figure. Ça marche? Là, l'idée c'est que vous commenciez à sentir un petit peu ça. Hein. Allez, c'est parti, on y va.
Là, on va mélanger le fait de descendre et ensuite de se déplacer à crochet. Donc là, l'idée, c'est pas de découvrir la profondeur. L'idée, c'est de se rendre compte que pour descendre, c'est difficile. Vous, 1m40, ça pose aucun problème. Alors, je prends de l'air, je descends, je mets mon ventre au fond, d'accord, ou je m'assois pour commencer, je remonte, je me déplace comme on vient de le faire, j'arrive au deuxième obstacle là-bas où il y a à nouveau une perche, je redescends, etc. L'idée, c'est de commencer à construire d'un point de vue informationnel les trois dimensions et que le gamin se rende compte que pour descendre, il est obligé de forcer. Il est obligé de forcer parce qu'il va s'immerger et parce qu'il a le l'air dans les poumons. Aucune expiration, hein. On est en apnée permanente. Ça marche ? Vous avez le droit de faire des échanges respiratoires quand vous sortez la tête de l'eau pour vous arrêter avant la situation. C'est clair ? On y va ? Allez, on descend. Vous pouvez descendre à plusieurs, hein. Allez, hop ! Non, non, pour l'instant, tu descends, tu fais ce que tu veux. Là, l'idée, c'est de te mettre à plat ventre. Même situation, au fond, je lâche tout. Et je bouge plus. On y va. Remontée passive. Même situation, remontée passive. On y va. Voilà. On lâche la perche et on attend. Si elle prend pas d'air, elle remonte pas, hein.